Ton autre te parle pas, il est dans le silence, il a disparu, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. On va voir avec mes deux oracles, c'est parti. Qu'est-ce qu'il ou elle, tu adaptes, hein? Pense mais ne dis pas. Je rêve souvent de toi. Désolée si je t'ai fait du mal, il y a de la culpabilité en face. Je ne peux pas tout abandonner pour toi. Est-ce que cette personne a déjà une famille ou quelqu'un dans sa vie? En tout cas, il se rend compte qu'il a merdé, clairement. Il est bloqué pour le moment, certainement dû à sa situation. Il a peur de tout perdre. Est-ce qu'il y a peut-être des questions d'argent là-dedans? Il se demande si tu l'aimes encore. Ça fait peut-être un petit moment qu'il a disparu ou qu'il ne te parle pas, hein. Il se demande si tu penses encore à lui. Il a encore des choses à régler, cet homme-là. Et il te dit merci d'être aussi patiente. Je vais prendre mon deuxième oracle. J'ai pris message de ton autre numéro 2. D'ailleurs, il y a une promo sur mon site si jamais tu veux acheter cet oracle. Alors, je vais trouver le courage de me bouger. Eh bien, tant mieux, il était temps. Je te vois comme une reine. Cet homme, il t'admire. Peut-être même qu'il ne se sent pas à la hauteur. C'est tout à fait possible. Je veux passer plus de temps avec toi. Tu m'as ensorcelé. Je te dis, il se demande ce que tu lui as fait, cet homme-là. Je pense qu'il pense à toi en boucle. Il se demande ce que tu lui as fait, pourquoi il n'arrive pas à te sortir de la tête. Et je n'arrive pas à t'oublier. Donc clairement, ça tourne en boucle dans sa tête. Je ne pense pas être à la hauteur, hein. On se doutait avec les autres cartes qu'on a vues. Cette personne te voit comme une reine, mais du coup, il se demande si il est à la hauteur. C'est à toi de lui montrer que c'est toi qui décides ce que tu veux de ta vie. Il a peur que tu l'oublies, hein. Ça fait peut-être un petit moment qu'il a disparu, on a déjà vu ça. Il y a beaucoup d'envie, de passion, de charnel dans cette histoire aussi. Ah, c'est de ta faute, c'est de ma faute, ouh le lapsus révélateur, c'est de ma faute, mais je t'accuse. Donc on a quelqu'un qui a beaucoup de peine à se remettre en question en face. Je ne suis pas une bonne personne. Il a un problème d'estime cet homme, il pense qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'en vaut pas la peine. Il se demande certainement ce que tu lui trouves, mais ça n'empêche pas de faire de la merde, hein, on va pas se mentir. Tous les feux sont au vert, donc il y a un moment donné où cette situation va se débloquer. On se projette loin dans le futur, hein. On pense peut-être même à fonder un foyer, mais il s'est clairement perdu un moment, c'est pour ça je pense qu'il t'a laissé dans le silence. Il te surveille sur les réseaux, il se demande ce que tu fais, on va en prendre encore deux. Cet homme n'est plus heureux dans sa vie, quelle que soit sa situation. Et une petite dernière, il commence à parler de toi à ses amis. Donc cette personne elle est dans le silence, elle a des choses à régler, pour le moment elle est lâche cette personne, elle n'arrive pas à faire des choix. Mais par contre, elle pense H24 à toi et elle est en train de se projeter avec toi. Je te fais des bisous.